Ben non, je me suis pensée, il exprime ce soutien qu'il m'a pas me connaît. À ce jour, à ce stade, non. Il n'y a pas un coup de fil, ni un message. Comment dire, ben, insensible, mais moi, triste, moi déçue, parce que, allons dire que, même pendant les suffrages, et moi, je me dis qu'il m'a open-minded, m'a posé, Sandra, etc. Mais c'est vrai que Sandra n'a pas trop envie de causer. Mais voilà, dans un cas comme ça, un petit coup de fil, c'est pour m'arrêter, ou un petit message, c'est pour m'arrêter. Mais vous pensez, je perds ben représailles qui se bizarre à l'autre et puis là-haut pour faire bonnes affaires. Si c'était tant qu'à moi, Sandra peut-être qu'à peut-être à moi, et je me connais toi comme ça, personnellement, et je me connais quand je me dis, c'est arrivé toi ça, et il connaît les élections, même quand je me dis, je peux rassurer, je vais dire un message, je vais dire rester qui tu es, etc. Mais malheureusement, pas tout le monde qui est dans la manière qui m'en a, et ça me comprend. Qui fait, parce qu'il ne peut pas oser m'agiter, qu'il me cause beaucoup d'emploi, etc. Et je ne suis pas là-bas. Ouais. Donc, je me suis demandé qui faire. Mais. Moi, je te connais. Dans nous, mille équipes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Premier ministre, il me prend une photo et il mentionne ton nom. Donc, tu peux causer une affaire de drogue, etc. Un trafiquant. Et il disait que tu tenais une photo avec Franklin et qui, voilà, Jacqueline Toulouse. Et mentionner ton nom, là, dans sa place-là, mais c'est une affaire sérieuse, quoi. Mais peut-être pas nous va parler de l'avant avec toi, mais peut-être une prochaine fois. Donc, tout de suite, ma route vidéo là. Ouais. Pour me confirmer qui c'est vrai et comment il me cite mon nom. C'est vrai, le Premier ministre, il me bien cite mon nom, Jacqueline Toulouse. Mais moi, j'avoue, franchement, comme on dit, il cite mon nom et qui, comme on m'a dit, qui m'a perdu sa jouée là. Et pour moi, ben, c'est justement mettre la terre dans mon assiette manger, quoi. Moi, une mère de famille. Moi, je suis qui m'a recrassé, je ne suis pas une personne non nier. Je suis abandonnée comme tout le monde. Moi, si je peux survivre comme la plupart des Mauriciens en ce moment. Et pour moi, justement, ne pas avoir ce café-là pour ça, qui a venu, parce que je n'ai pas un plan de vie, un budget. Et c'était injuste, je suis bien en colère. Mais comme on apprend aussi que le PM est en immunité parlementaire et qu'il n'est pas capable de porter une plainte contre lui pour ça, pour préjudice, ben mon encore plus quoi que ça me sentit moins impuissant et mon encore plus en colère et en même temps plus triste. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.